Quand vous êtes assis sur la poutre ici, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de filière arrière. Donc il faut, euh, faut faire attention de ne pas tomber à l'eau. Le bateau qui inverser. emmène ces personnes au Glénan n'est pas tout à fait comme les autres. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un bateau de croisière, c'est un voilier de course. Sous un autre nom, Océan Addict a participé à la route du Rhum. Désormais basé à l'Octudie, il a entamé une nouvelle carrière, la balade, qui peut à l'occasion être sportive. Ça c'est un vrai bateau de course. Ouais. Quel intérêt d'emmener de, de, des gens sur ce bateau-là bah, c'est de découvrir euh, les sensations du multicoque. Ce que c'est, ça permet d'aller rapidement à plat, ça bouge pas trop. Et puis, euh, bah, l'avantage c'est que c'est pratique, tout le monde peut se déplacer et participer parce que ça reste un petit bateau. Quoi. Ce jour-là, pas de problème pour se déplacer à bord. Le vent tarde à se lever. Heureusement, il n'en faut pas beaucoup pour glisser sur l'eau. Ewen a l'habitude d'aller en mer, le trimaran c'est quand même autre chose. Le bateau de Papa et maman il est plus petit, tandis que ce bateau-là est beaucoup plus grand. Quand il y a plus d'espace, on peut se balader. Par rapport au monocoque, c'est moins inconfortable, parce que dans le sens où ça ne gîte pas, il n'y a pas trop de gîte latérale, donc il euh, y a moins de sensations de mal de mer. Par exemple, pour le moment, tous les gens qui sont venus à bord, je n'ai pas une malade. Quoi. Reconversion d'un bateau et celle d'un coureur aussi. Eric Defer a disputé plusieurs transats des solitaires du Figaro. En manque de sponsors, il développe cette activité de plaisance version sportive pour que le public amoureux des grandes courses puisse sentir les sensations des champions.